C'est rigolo, on a les mêmes orteils, en grand et en petit. On marche pareil. Tu t'accroches à mes doigts. Je suis ton tuteur. Tu prends mon rythme, je suis ton modèle. Quoi? Qui? Moi? Ton modèle? Oui, c'est ça les mamans. Montrer le chemin pour que l'enfant marche dans ses pas. Par l'exemple, donner les clés pour avancer dans la vie. Je ne les ai pas. J'erre sur des sentiers semés de ronces, jalonnés de cailloux qui font mal dans la chaussure. Je refuse que tu te perdes toi aussi. Tu dois tracer ta route, tout droit vers tes envies, sans détour ni dérapage. Je ne veux pas que tu t'égares. Pour toi, je dois me fixer un itinéraire, trouver ma voie, pas à pas, avec toi. Au milieu de sa journée, une maman jette une prière pour le petit qu'elle porte dans son dos. Elle reprend le travail. Le bébé se tait, il observe. C'est dur, mais tous deux sont heureux. Cliché? C'est mal d'affirmer que les femmes qui affrontent les conditions difficiles sont des héroïnes? Pourquoi hésiter à rappeler que partout dans le monde, des enfants sont pris dans les bras, aidés à grandir, protégés, aimés? Est-ce qu'on est vraiment plus intelligent quand on est cynique? Pourquoi refuser un sentiment qui rend la vie plus belle? Parlons d'amour. Disons l'amour. Acceptons l'amour. Qui veut des guimauves roses? Un jour, je serai vieille. Les rides, la maladie, la mémoire qui flanche, je vivrai ça. Ça ne me rend pas folle de joie, mais je sais que je peux l'affronter. Ce qui me fait peur, c'est que tu n'aies plus envie de venir me voir, que tu me rendes visite par obligation en regardant ta montre. Et pire, que moi aussi je compte les secondes, que j'attende avec impatience le départ de cet encombrant étranger qui était mon bébé. Pourquoi je pense à ça? Tu es si petit, j'ai déjà peur de te perdre. Ce n'arrivera pas. Parce que je profite de chaque minute avec toi. C'est maintenant que l'on plante les graines des heures à venir. Je compte bien les faire grandir.